Bon, c'est une journée chargée aujourd'hui, après la rentrée, après avoir joué avec Loulou, maintenant je vais au boulot, ok? Et je reviens vite, ok? Je reviens vite, ok? Bisous! Bonjour, comment ça va? Très bien. C'est quoi votre petit nom? Vanessa. Vanessa, enchantée Vanessa. Sur Maman et Célèbre. Ah, voilà. Vous aimez? Énormément. Ah, super. Je suis tellement contente de te rencontrer. Oh, c'est trop mignon. Ça fait longtemps que je te suis, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Oh, ouais. Si vous voulez vous. Attrapez-moi. Attrapez-moi. Je t'attrape. Bon, je suis en train d'étendre de linge, regardez. J'ai de l'aide. Tu me montres comment tu fais? Ici, comme maman, vas-y. Ici. Ici. Vas-y. Il dit, regarde Bingo. Faut passer. Il a chaud, il se met sous le t-shirt sur lui. Comment tu fais? Vas-y. Tu mets là? Là. Vas-y. Là. Bah oui. Là. Vas-y. Là. Yes. Là. Ouais. On apprend. Allez. Hop. Tiens. Le short. Attends. Mets les mains. Oh my god. Mets les mains. Ouais. Bravo. T'es content? Encore. Mets les mains. Fais comme ça, sœur. Mets les mains. Mets les pieds. Ouais. Bravo. Ouais, salte-toi avant. Avant ou en arrière? Comment? Tu veux lequel? Là. En avant? Bon, alors Luna, elle vous a pas dit? Allez, on va au bain, venez. Au bain de Luna, tu veux? Ok. Et tu leur dis comment c'était ta rentrée? Elle est trop contente de sa classe, de son maître. Elle a des devoirs. Elle a fait ses devoirs, hein, mon cœur. Et c'est de la lecture. Elle a trop bien fait. Elle a voulu les faire toute seule. J'espère que ça va durer comme ça. Allez, c'est l'heure du bain. Non, pas demain. Je vais vous récupérer. Je récupère, après je te récupère. Et après, je vais à un lancement d'un projet immobilier. Incroyable que je vais vous montrer. Tiens. C'est vraiment parce que tu es exceptionnel, ok? Ok. Mais si, une minute. C'est pas comme ça normal. C'est si tu fais aucune couleur cette journée, je te le laisse pour toujours. Mais si tu en fais une et tu fais crier. Vous savez que depuis tout à l'heure, je suis tellement épuisée, fatiguée. J'ai plein de choses à faire, plein de choses à faire. Il est 21h, je suis levée depuis 5h40. Et je suis devant mon four à regarder ma tarte qui cuit. Tellement en fait, je suis épuisée. Là... Bon, et aussi, j'ai un gros problème de son avec mon téléphone. Je sais que parfois sur mes vidéos, je n'ai pas de son. Sauf que je me rends compte beaucoup trop tard. Donc voilà, j'espère que là, ça ne va pas bugger parce que j'ai quelque chose de très très cool à vous annoncer puisque comme chaque mercredi, vous avez une toute nouvelle offre ESL. Donc, je vais vous donner ça. Et du coup, la toute nouvelle offre ESL, c'est moins 20% sur toutes les protéines et sur les produits de performance. Alors la protéine, ça je voulais vraiment, je vous en parle tout le temps, parce que c'est hyper hyper important, que vous fassiez du sport ou non, que vous vouliez... Donc en termes de protéines, vous avez plusieurs
type de protéines sur ESN. Donc vous avez, ça c'est Flexpresso, cette protéine là je l'adore, c'est protéines plus café. Donc pour ceux qui aiment le café par exemple le matin, qui oublient de prendre leurs protéines, ça c'est juste parfait. Ensuite vous avez la whey un petit peu classique qui ressemble on va dire à la whey checker avec du lait, sauf que bien sûr c'est sans lactose, sans sucre. Mais celle-ci, voilà, vous avez plusieurs goûts, c'est la whey on va dire classique. Pour ceux justement qui n'aiment pas trop cette whey-là, comme moi par exemple, bon, j'adore, mais je préfère celle-ci parce qu'elle est plus légère, elle ressemble à une boisson aromatisée style cocktail, iced tea ou autre, et pareil, vous avez plein de goûts, c'est trop cool et c'est très frais. Moi, je mets ça avec des glaçons pour l'été, c'est trop bien. Et donc celle-ci, elle est un peu plus légère, elle est facile à digérer et c'est une protéine rapide. Vous avez également celle-ci, Bedtime Protein, c'est à prendre le soir juste avant d'aller dormir parce que c'est une protéine qui va être plus lente, qui va être assimilée plus lentement dans l'organisme, donc c'est parfait pour la nuit. Donc voilà, moi je prends ça et la journée, voilà, je prends soit l'Isoclear, soit ça, le matin je prends ça. Franchement, vous avez par l'organisme. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal à parler, à trouver mes mots parce que je vous jure, je lutte pour rester debout et pour parler. Donc, excusez-moi si je fais pas des phrases correctes. Ne m'en veuillez pas. Donc, voilà, je vous laisse le code. Je vais vous montrer aussi, je vais vous faire un petit panel, mes protéines préférées pour que vous ayez une petite idée et aussi vous, bien vous rendre compte de la différence. Donc, je vous mets ça juste après. Et bien sûr, je vous laisse le code. Moins 20% sur toutes les protéines et sur les produits de performance. Bon, voilà, on a déposé Luna à l'école. Ça me fait trop bizarre. Parce que pour moi, c'est encore mon bébé. L'école est grande, la cour est grande. Elle, en plus, elle est à l'étage avec son gros sac. Et on n'a pas le droit de rentrer avec eux. Donc, je ne savais pas si elle devait rester dans la cour, si elle devait monter. Donc, je lui ai dit monte, mais en fait, il fallait rester dans la cour. Et je la voyais avec son gros sac comme ça monter. Je ne peux même pas l'aider. Mais bon, voilà, c'est ça. Hein, c'est l'école des grands. Ça va lui apprendre l'autonomie, plein de choses. Mais ça fait bizarre. C'est là qu'on voit que... Ça y est, c'est plus la maternelle, c'est plus les bébés, c'est terminé là. Ça m'a fait trop bizarre en fait, je l'ai vu partir avec son petit sac à dos. J'ai dit mais je peux pas t'accompagner, elle m'a dit c'est pas grave maman, allez bisous, à tout à l'heure. Et hop, elle est partie, elle est montée dans sa classe et tout. Impressionnant. Bon les amis, je suis arrivée à mon rendez-vous, je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer tout ça. Je voulais juste vous dire... Donc je suis au Invisalign Center, je vais voir pour les gouttières, voir si elles sont prêtes, voir si on peut les mettre aujourd'hui. Et juste pour vous dire, pour ceux qui viennent ici, vous avez le parking en fait, enfin vous rentrez directement, il y a le valet qui se charge de prendre votre voiture et vous rentrez directement. Donc ça c'est hyper pratique et donc c'est gratuit, hein, c'est juste, voilà, vous avez juste à laisser votre voiture au valet. Et comme ça, vous n'êtes pas en retard à votre rendez-vous. Okay, pour les amis, je suis rentrée à la maison. Je vous fais un petit point sur mon rendez-vous. Donc, j'ai d'abord vu une dentiste qui m'a fait le contrôle des dents. Donc, j'ai quelques petites caries, mais rien d'urgent. Vraiment rien d'urgent, donc c'est possible de traiter à la fin du traitement parce qu'on va voir une fois que les dents sont bien droites, etc. Pas besoin de détartrage non plus parce que ça c'est bon à ce niveau-là. Voilà, on va pouvoir commencer le traitement. Mais avant de commencer le traitement, le 24 septembre, j'ai rendez-vous avec un chirurgien. Je vous expliquerai pourquoi. Et on vous montrera bien par rapport aux vidéos. C'est vrai qu'on me l'avait déjà dit et que moi-même, je l'avais remarqué. Mais j'aurais besoin d'une chirurgie au niveau de la mâchoire pour faire vraiment le traitement à 100%. Quoi. Après, comme il m'a... Donc, voilà. En fait, il veut vraiment me montrer toutes les solutions. Lui, c'est pas... Enfin, il va me faire évidemment le traitement, etc. Il m'a fait d'ailleurs la simulation du avant-après avec l'alignement. Ça va vraiment aussi m'ouvrir la mâchoire, le sourire. Le fait d'aligner les dents correctement, de replacer le haut, en fait, est très avancé par rapport au bas. C'est pour ça que j'ai du mal quand je mange, pour fermer la bouche, j'ai vraiment du mal.
Donc en fait, avec le traitement, il m'a montré que tout serait au même endroit, tout serait bien aligné, les dents, etc. Et du coup, ça va ouvrir la mâchoire et sourire. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais voilà, on va quand même me montrer, parce que comme il m'a dit, ben, le traitement 100% serait aussi de faire la chirurgie de la mâchoire. Donc il va tout montrer et après, c'est à moi de décider. Donc je vous montrerai tout ça. Et j'ai une très très bonne nouvelle aussi, parce que suite à mes stories de la dernière fois, c'est vrai qu'on a eu beaucoup. Donc, comme je vous disais, on a eu pas mal de retours, et eux et moi, par rapport à mes stories de la dernière fois. Après, c'est un centre vraiment top. Ils sont hyper, hyper pros. Franchement, que ce soit les dentistes, ils sont vraiment au top. Ils conseillent au mieux. Ils vont vous faire un super traitement. Et donc, bref, en fait, voilà, j'ai eu beaucoup de retours de votre part. Et on a vu quelque chose, on a mis en place quelque chose avec le docteur. Toutes les personnes qui viennent de ma part, mais en fait, c'est moi qui vais prendre les noms et je vais les transmettre. Je vous expliquerai pourquoi, mais il y a eu aussi des dingueries, mais bref. Venez en fait me demander à moi et les noms que je vais avoir, je vais moi-même les transmettre au docteur. Et en fait, les personnes qui vont venir de ma part auront le premier rendez-vous gratuit et un blanchiment offert. Donc, on parle quand même d'un blanchiment chez un dentiste, un blanchiment, voilà, c'est quelque chose de pro. Donc, ils vont d'abord voir l'état de vos dents, de l'émail, si c'est possible de le faire. C'est vraiment, ils vont vous conseiller aussi sur tout. Donc, c'est bien de le faire chez des professionnels. Donc, voilà, si vous venez de ma part, mais encore une fois, contactez-moi en privé d'abord. Et moi, je transmets vos coordonnées avec le centre Invisalign et c'est eux qui prendront le rendez-vous avec vous, ils vous appelleront, etc. Mais c'est d'abord à moi qu'il faut envoyer les messages. Et par rapport à ça, j'ai des personnes qui carrément ont pris rendez-vous, qui à la fin du rendez-vous ont dit « Ben non, mais moi je paye pas, je paierai pas mon traitement parce que je connais Julia, je viens de sa part, je connais pas ces personnes. » Donc voilà aussi pourquoi venez d'abord me voir moi. Bon, du coup, j'ai commencé à me préparer. J'ai pas fini, je suis ni maquillée ni coiffée, mais j'ai pris la douche, je me suis habillée parce que je vais à un lancement d'un projet aujourd'hui, deux projets d'ailleurs. Je vais vous en parler là parce qu'en fait, comme je vous ai déjà expliqué par le passé, les lancements d'un projet, le jour même, tout part. Donc, s'il y a des studios, si vous êtes intéressé par un studio, un appartement, une chambre ou deux chambres, ce projet-là, en plus, est fully furnished. Ça veut dire qu'il est complètement meublé, complètement équipé. Ça part trop vite. C'est un projet qui se situe à GVC, à 2 minutes à pied du Circle Mall. Le Circle Mall, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on y était H24, puisqu'on habitait juste derrière, nous, l'année dernière, avec Luna. Victoria et Maxime, on y allait tout le temps. D'ailleurs, Luna, elle fait encore sa gym là-bas. Donc, on y va souvent. Donc, c'est juste à côté, hyper, hyper pratique. Il y a tout dans ce mall, c'est trop bien. Donc, voilà, le projet se situe à 10 de votre projet. Ensuite,